élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. L'ère nouvelle. Dieu est unique, et Moïse est l'esprit que Dieu a envoyé en mission pour le faire connaître, non seulement aux Hébreux, mais encore au peuple païen. Le peuple hébreu a été l'instrument dont Dieu s'est servi pour faire sa révélation par Moïse et par les prophètes. Et les vicissitudes de ce peuple étaient faites pour frapper les yeux et faire tomber le voile qui cachait aux hommes la divinité. Les commandements de Dieu donnés par Moïse portent le germe de la morale chrétienne la plus étendue. Les commentaires de la Bible en rétrécissaient le sens parce que, mise en œuvre dans toute sa pureté, elle n'aurait pas été comprise alors. Mais les 10 commandements de Dieu n'en restaient pas moins, comme le frontispice brillant, comme le phare qui devait éclairer l'humanité dans la route qu'elle avait à parcourir. La morale enseignée par Moïse était appropriée à l'état d'avancement dans lequel se trouvaient les peuples qu'elle était appelée à régénérer. Et ces peuples, à demi sauvages quant au perfectionnement de leur âme, n'auraient pas compris qu'on pût adorer Dieu autrement que par des holocaustes, ni qu'il fallut faire grâce à un ennemi. Leur intelligence, remarquable au point de vue de la matière, et même sous celui des arts et des sciences, était très arriérée en moralité, et ne se serait pas convertie sous l'empire d'une religion entièrement spirituelle. Il leur fallait une représentation semi-matériel, tel que l'offrait alors la religion hébraïque. C'est ainsi que les holocaustes parlaient à leur sens, pendant que l'idée de Dieu parlait à leur esprit. Le Christ a été l'initiateur de la morale la plus pure, la plus sublime, de la morale évangélique chrétienne qui doit rénover le monde, rapprocher les hommes et les rendre frères, qui doit faire jaillir de tous les cœurs humains la charité et l'amour du prochain, et créer entre tous les hommes une solidarité commune. Une morale enfin qui doit transformer la terre et en faire un séjour pour des esprits supérieurs à ceux qui l'habitent aujourd'hui. C'est la loi du progrès, à laquelle la nature est soumise, qui s'accomplit, et le spiritisme est le levier dont Dieu se sert pour faire avancer l'humanité. Les temps sont arrivés où les idées morales doivent se développer pour accomplir les progrès qui sont dans les desseins de Dieu. Elles doivent suivre la même route que les idées de liberté ont parcouru et qui en étaient l'avant-coureur. Mais il ne faut pas croire que ce développement se fera sans lutte. Non, elles ont besoin, pour arriver à maturité, de secousses et de discussions, afin qu'elles attirent l'attention des masses. Une fois l'attention fixée, la beauté et la sainteté de la morale frapperont les esprits, et ils s'attacheront à une science qui leur donne la clé de la vie future et leur ouvre les portes du bonheur éternel. C'est Moïse qui a ouvert la voie. Jésus a continué l'œuvre. Le spiritisme l'achèvera. Un esprit israélite, Mulhouse, 1861. Un jour, Dieu, dans sa charité inépuisable, permit à l'homme de voir la vérité percer les ténèbres. Ce jour était l'avènement du Christ. Après la lumière vive, les ténèbres sont revenues. Le monde, après des alternatives de vérité et d'obscurité, se perdait à nouveau. Alors, semblable aux prophètes de l'Ancien Testament, les esprits se mettent à parler et à vous avertir. Le monde est ébranlé dans ses bases. Le tonnerre grondera. Soyez fermes. Le spiritisme est d'ordre divin
puisqu'il repose sur les lois mêmes de la nature. Et croyez bien que tout ce qui est d'ordre divin a un but grand et utile. Votre monde se perdait. La science, développée aux dépens de ce qui est d'ordre moral, tout en vous menant au bien matériel, tournait au profit de l'esprit des ténèbres. Vous le savez, chrétiens, le cœur et l'amour doivent marcher unis à la science. Le règne du Christ, hélas, après 18 siècles et malgré le sang de tant de martyrs, n'est pas encore venu. Chrétiens, revenez au Maître qui veut vous sauver. Tout est facile à celui qui croit et qui aime. L'amour le remplit d'une joie ineffable. Oui, mes enfants, le monde est ébranlé. Les bons esprits vous le disent assez, ployés sous le souffle avant-coureur de la tempête, afin de n'être point renversés. C'est-à-dire, préparez-vous et ne ressemblez pas aux vierges folles qui furent prises au dépourvu à l'arrivée de l'époux. La révolution qui s'apprête est plutôt morale que matérielle. Les grands esprits, messagers et divins, soufflent la foi pour que vous tous, ouvriers éclairés et ardents, fassiez entendre votre humble voix, car vous êtes le grain de sable. Mais sans grain de sable, il n'y aurait pas de montagne. Ainsi donc, que cette parole « Nous sommes petits » n'ait plus de sens pour vous. À chacun sa mission, à chacun son travail. La fourmi ne construit-elle pas l'édifice de sa république? Et des animalcules imperceptibles n'élèvent-ils pas des continents? La nouvelle croisade est commencée. Apôtre de la paix universelle, et non d'une guerre, Saint Bernard moderne, regardez et marchez en avant. La loi des mondes est la loi du progrès. Fénelon, Poitiers, 1861. Saint Augustin est l'un des plus grands vulgarisateurs du spiritisme. Il se manifeste presque partout. Nous en trouvons la raison dans la vie de ce grand philosophe chrétien. Il appartient à cette vigoureuse phalange des pères de l'Église auxquels la chrétienté doit ses plus solides assises. Comme beaucoup, il fut arraché au paganisme, disons mieux, à l'impiété la plus profonde, par l'éclat de la vérité. Quand, au milieu de ses débordements, il sentit en son âme cette vibration étrange qui le rappela à lui-même, et lui fit comprendre que le bonheur était ailleurs que dans des plaisirs énervants et fugitifs. Quand enfin, sur son chemin de Damas, il entendit, lui aussi, la voix sainte lui crier « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il s'écria « mon Dieu, pardonnez-moi, je crois, je suis chrétien. » Et depuis lors, il devint un des plus fermes soutiens de l'Évangile. On peut lire dans les confessions remarquables que nous a laissé cet éminent esprit les paroles caractéristiques et prophétiques en même temps qu'il prononça après avoir perdu Sainte Monique. « Je suis convaincu que ma mère reviendra me visiter et me donner des conseils en me révélant ce qui nous attend dans la vie future. » Quel enseignement dans ces paroles et quelle prévision éclatante de la future doctrine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, voyant l'heure arriver pour la divulgation de la vérité qu'il avait pressentie jadis, il s'en est fait l'ardent propagateur et se multiplie, pour ainsi dire, pour répondre à tous ceux qui l'appellent. Éraste, disciple de Saint Paul, Paris, 1863. Remarque. Saint Augustin vient-il donc renverser ce qui l'a élevé? Non, assurément. Mais comme tant d'autres, il voit avec les yeux de l'esprit
ce qu'il ne voyait pas comme homme. Son âme dégagée entrevoit de nouvelles clartés. Elle comprend ce qu'elle ne comprenait pas auparavant. De nouvelles idées lui ont révélé le véritable sens de certaines paroles. Sur la terre, il jugeait les choses selon les connaissances qu'il possédait. Mais lorsqu'une nouvelle lumière s'est faite pour lui, il a pu les juger plus sainement. Et c'est ainsi qu'il a dû revenir sur sa croyance concernant les esprits incubes et succubes, et sur l'anathème qu'il avait lancé contre la théorie des antipodes. Maintenant que le christianisme lui apparaît dans toute sa pureté, il peut, sur certains points, penser autrement que de son vivant. Sans cesser d'être l'apôtre chrétien, il peut, sans renier sa foi, se faire le propagateur du spiritisme, parce qu'il y voit l'accomplissement des choses prédites. En le proclamant aujourd'hui, il ne fait que nous ramener à une interprétation plus saine et plus logique des textes. Ainsi en est-il des autres esprits qui se trouvent dans une position analogue. Nous voilà sur Terre à vivre une période assez particulière, car nous sommes à la frontière entre deux époques. Nous sommes en train de vivre une transition planétaire, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Nous devons constater qu'il y a effectivement de plus en plus d'agitation ici sur Terre. Les guerres n'ont jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Les scandales dans tout genre éclatent sur toute la surface du globe. Et bien peu cherchent la paix. Bien peu cherchent à comprendre pourquoi ils se trouvent sur Terre. Cette souffrance apparente, visible, ce mal qui ne se cache même pas, est l'indice d'une chute prochaine. Nous allons comprendre que les règles, celles que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui, celles qui cherchent à s'imposer à nous, ces règles du plus fort, ne peuvent plus durer. D'autres règles beaucoup plus douces à respecter vont se faire connaître à nous. Cette souffrance nous y invite. Toutes ces privations de liberté au profit d'un petit nombre de personnes sur Terre nous invite également à prendre conscience du bien de l'humanité qui ne peut être ravi par un petit nombre. Le progrès, lui-même, ne peut être arrêté. Il peut tout au plus être suspendu pendant un certain temps, mais reprendra sa course. Nous avons vécu différents progrès. Le progrès intellectuel nous a permis d'arriver à un point où la technologie trouve des réponses très ingénieuses, mais fait encore défaut lorsqu'il s'agit de répondre à ce besoin naturel de toute personne ici-bas d'être en paix, de faire partie d'une humanité harmonieuse, paisible, respectueuse. Le développement de notre intelligence nous permet aujourd'hui de développer notre sens moral. Et c'est encore là un grand manque que
que l'humanité affronte. La souffrance nous met sur la voie, nous invitant à nous arrêter, à nous poser des questions, à chercher à comprendre pourquoi nous souffrons tant. Certains ont déjà compris comment procéder pour ne plus tant souffrir, pour même être heureux par moments. Et cela n'est possible que lorsque l'on comprend que nous sommes des êtres spirituels. Les religions nous invitent également à comprendre cela. Elles nous invitent à prendre un peu de distance par rapport à ce monde matériel dans lequel nous sommes circonscrits, plongés sans réellement avoir cette possibilité de voir plus loin, de nous affranchir de ces apparences qui s'imposent à beaucoup d'entre nous. Alors, aujourd'hui, notre vie est à l'aube d'une nouvelle ère, une ère bien plus spirituelle que les dernières. Une ère où il y aura un réel changement. Le mal qui s'exprime aujourd'hui ouvertement, sans même se cacher, cherchera maintenant à se faire plus discret. Un jour même, il sera tellement honteux de pouvoir s'exprimer qu'il se cachera. Et un jour plus tard encore, il disparaîtra totalement de la surface de notre planète. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Nous sommes en train de vivre cette transition vers un monde de régénération. Un monde où nous viendrons pour faire une pause dans notre cycle de réincarnation afin de nous ressourcer, de trouver là un peu de quiétude, un peu plus de quiétude que dans d'autres mondes. Cela signifie qu'aujourd'hui, et fait le décompte de ceux qui pourront rester sur ce monde, et tous les autres, tous ceux qui ne voudront pas adopter ces nouvelles règles, devront aller sur un autre monde, adapté à leurs conditions d'être. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons constater que certains enfants viennent avec une élévation spirituelle marquée par rapport à ceux qui sont ici. Leurs comportements, leurs attitudes ne sont pas celles des enfants que nous avons pu connaître, celles des générations précédentes. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans ce moment de renouvellement. L'humanité est invitée à être plus spirituelle, à développer ce sens moral dont chacun est doté. Le spiritisme nous invite à cette compréhension, nous facilite même cette transition, nous révélant pourquoi nous souffrons, révélant les interactions que nous avons pu nourrir, que nous nourrissons même encore parfois. Les esprits, c'est-à-dire ceux qui ont vécu jadis sur la terre, viennent témoigner de leur vie, de leurs choix et de ce qu'ils vivent maintenant. Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Les témoignages sont nombreux, se font présents à tous ceux qui cherchent à comprendre,
comprendre leur vraie nature. Ainsi, nous tous sommes des êtres de lumière qui venons faire l'expérience de la matière afin de nous dépouiller de ces vieilles habitudes prises ici pour enfin pouvoir s'épurer et rejoindre Dieu, connaître pleinement Dieu, le vivre pleinement, vivre uniquement sa volonté. Notre volonté s'effacera peu à peu, au fur et à mesure que nous comprendrons sa loi. La loi de nature, ses lois morales, ses lois divines sont là, inscrites en chacun de nous. Prenons le temps de les connaître et de les vivre dès à présent, afin de ne plus souffrir comme nous avons pu souffrir jusqu'à maintenant. Prenons le temps de réfléchir à cela, de méditer et de vivre en paix, un peu plus chaque jour, afin de nous accompagner dans ce cheminement. Notre guide spirituel nous inspire, nous prévient, nous invite. Soyons donc à l'écoute. Et commençons à apprendre la leçon qui nous est présentée. Que la paix soit en chacun de nous, ainsi soit-il.